Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau live donc sur Guild Wars 2, toujours. Ici on va toujours faire un petit peu de PVP, peut-être moins partir sur du classé puisqu'on va tester un build que j'ai fait de mes petites mémines et que j'ai testé hier avec mes teammates de la guilde, vu qu'on vient de monter une petite team avec les gens intéressés dans la guilde. Donc on va partir là-dessus. Je vais expliquer un petit peu en quoi le build va consister. Bon, déjà petite présentation visuelle pour ceux qui me suivent sur Twitter ou sur Facebook. J'ai fait une petite modif au niveau de la couleur. J'ai réussi plus ou moins à reprendre un peu le thème de couleur de la Doom Légion sur Warhammer 40 000. J'avais envie, donc les épaulières noires, bordure verte, et puis le reste de l'armure en gris métal. Ça donne bien. J'aime bien. Je suis content. Donc du coup, on est reparti sur ça. Donc c'est plus orienté, épée bouclier. Donc ça, épée bouclier, ça je le garde toujours pour le PvE, parce que pour le PvE, c'est essentiel. Enfin, je veux dire... Quand on fait du PvE solo, ça pardonne pas si on se gourre ou quoi. Donc ça, je garde bien cette spé-là en holo épée bouclier parce que ça me tire de pas mal d'emmerde. Maintenant ici en PvP, je suis parti sur ça, donc le Condi Gunner, donc double pistole et une grosse capacité à faire donc augmenter les dommages on recommence, augmenter les dommages d'altération. Et aussi du critique. Bon, maintenant il a fallu que je trouve un compromis entre plus de 50% de critique et suffisamment de dommages d'altération. Avec les amulettes et tout ça, j'ai réussi. Je suis un petit peu en dessous de la barre des 50% au niveau critique, mais j'ai suffisamment je veux dire de dommages, de dégâts par altération en plus. Donc ça passe. Et mon top 4 d'altération, enfin mon top 4 de dégâts, salut Freezer, mon top 4 de dégâts c'est que des altérations, c'est feu, empoisonnement, confusion c'est quoi la dernière? Comment on fait une présentation si on connaît pas correctement? Et je sais pas si t'as eu l'occasion de voir ce que ça donnait ton intro. Bien sûr, je l'ai mise bien longtemps à l'avance. J'ai commencé à 21 h pile. Je suis content. Je suis dans les temps. Donc, toxique est toujours là. Hop. J'ai vu. Cool. Ça va, ça donnait bien. Pas trop de lag ni rien. Ça a l'air nickel. Donc ici on va tester ça. Au niveau présentation, ça rend bien. Cool. Bah cool. Enfin, merci à toi. Donc au niveau présentation, on est sur un double pistolet. Au niveau des cachets, j'ai mis un peu le moins pire des choix que je trouvais. La dynamique est pas spécialement axée là-dessus. Maintenant, au toucher, dissiper une altération, bah, ça c'est toujours pratique parce que ça me permet, vu que je tire beaucoup du 1 quand les autres sont en train de recharger, beaucoup du 1, donc ça me permet de dissiper des altérations, c'est toujours pratique. Temps de recharge 10 secondes, mais bon, voilà. Obtenir pouvoir pendant 10 secondes, bah, ça permet si on m'emmerde pas, bah, de pouvoir les stacker assez bien. Au niveau de l'amulette, je suis parti sur l'amulette enragée, donc précision, robustesse, dégâts par altération. Donc c'est bien, ça m'augmente tout ce que c'est censé m'augmenter. Au niveau de la rune, j'ai pris la rune de mort-vivant pour le côté robustesse. J'ai testé hier, c'est assez bien tanky. J'ai testé contre mes teammates qui ont fait tourner pas mal de spés différentes et c'était assez intéressant. Ici, je vois qu'avec les buffs qu'on m'a mis, je suis monté à 67%. Donc, au niveau du crit, au final, un coup sur deux quasiment, je fais un crit. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de ma spé, quand je fais des crits, beaucoup critiques infligent brûlure. Donc c'est pour ça qu'en général ma brûlure c'est toujours dans mon top 2 de mes dégâts par altération. Parce qu'au final,
je fais quasiment. Enfin, je fais les brûlures en grosse partie. Ensuite, on a bien sûr pour les coups critiques, bah, ça inflige saignement, donc j'alterne entre. Enfin, une fois c'est saignement, une fois c'est en feu, ouais, c'est ça, saignement. Et une fois c'est en feu et saignement qui. Enfin, il s'échange un peu le haut du classement. Donc voilà. Donc ça, c'est un build maison. Je l'ai déjà testé pas mal, c'est assez pratique. Pas contre toutes les classes. Contre les rôdeurs qui jouent vraiment axé tir à distance, arc et tout ça. En général, je déguste. Tu me parlais? Ah, d'accord. Donc voilà. Donc quand je suis contre une classe qui est vraiment fort axé combat à distance, en général, il faut que je désengage et il faut que je parte assez vite. Parce que je tiens pas vraiment la distance. Maintenant, contre toutes les autres classes, vu que c'est moi qui maintiens la distance, et que je suis quand même relativement rapide, et je peux me déplacer, en fait, les déplacements sont surtout axés sur bot fusée. Donc bot fusée, ça fait ça. Donc ça me fait 900 de portée, et j'en peux en claquer deux, en fait. À 2 secondes d'intervalle. Donc potentiellement toutes les 16 secondes, il faut 16 secondes pour les deux recharges reviennent, potentiellement toutes les 16 secondes je peux faire un jump de quasiment 1800. Et c'est un Brixton. Donc non, c'est pas un Brixton. Mais ça me donne super vitesse. Ça a changé. Donc ça me permet de désengager quand même relativement vite le combat. Et parfois même ça me permet de revenir à ma position, mais le mec il a pas le temps de me suivre. Donc au final, si c'est un cac, le mec il va être un peu plus distancé. Donc moi ça me permet de me retourner et de foutre des altérations. Et puis après, bah, je kite quoi. Donc c'est vraiment ça, c'est courir, foutre des altérations. Et si le mec en face il sait pas se purge, bah, j'ai gagné. Donc les rôdeurs sont toujours un peu délicats. Deux trois ingénieurs que j'ai croisés qui étaient aussi un peu axés distants. J'ai eu du mal, mais sinon toutes les classes corps à corps, je les gérais assez bien. On va lancer une petite recherche. Je pense que je vais faire principalement des noms classés pour essayer de vraiment bien prendre en main le perso. Peut-être qu'en fin de soirée, je partirai sur du classé, je ne sais pas. Et je me disais, mais Maxou, je ne pense pas que Maxou est sur le chat pour le moment. Je pensais faire pour le motiver un peu, parce que. Il m'a relancé pour repartir sur Final Fantasy XIV. Enfin, j'ai un peu expliqué sur le Discord pourquoi je resterais plutôt sur Guild Wars 2 plutôt que sur FF14. Alors on va lui faire peut-être s'il est là au prochain live, genre mercredi ou ce soir, hein. Peut-être on n'est pas figé dans nos activités. Je partirais bien sur un personnage typé Maxou, à savoir un bon gros archétype paladin. Parce qu'il y a une classe qui le permet, la classe gardien, ça pourrait être sympa. Donc s'il passe. Hein, on va essayer de la pâter un petit peu. Et sinon, Freezer, comment tu vas? Deuxième saison de l'IJCJ. Oula. Lui, c'est un holographiste. C'est marrant parce qu'en anglais c'est Holosmith. Mais Smith c'est forgé. Donc techniquement c'est un holo-forgeron. On devrait dire holo-forgeron. Et pas holographiste. Allez, le petit café préparatoire. Ah, ici au niveau musique, Freezer, j'ai un peu regardé et en fait la playlist que tu m'as linkée, à chaque fois que je mets une vidéo en ligne sur YouTube ou avant de la mettre en ligne, ça peut aller. J'ai passé une journée pourrie, mais ça s'est arrangé il y a 1 heure. Hein? Ouais, j'espère que c'était pas grave. Et donc au niveau musical, en fait, je me suis rendu compte que toutes les, enfin tout. Enfin pas toutes, mais je veux dire à chaque fois que je mettais la playlist que tu m'avais conseillée, il y avait quasiment une chanson sur trois en fait qui posait des problèmes sur YouTube pour avoir des, enfin les restrictions d'auteur et tout ça.
Donc ici, je suis parti sur une autre playlist que j'ai pas encore mis parce que j'ai pas relancé Spotify. Là, mon PC a l'air d'être cool ce soir sur Spotify, enfin, une playlist Guild Wars, mais il y a 25 heures de playlist, donc ça devrait être cool à ce niveau-là. Je la testerai la prochaine fois pour voir si un petit peu les musiques là, vu que je suis sur du Guild Wars, elles ne vont pas être strike quand je la mettrai sur YouTube. Parce qu'en fait, ça me dérange pas, mes vidéos sont pas monétisées, faut continuer à chercher, ouais. Mes vidéos sont pas monétisées, donc je m'en fous un peu de perdre la monétisation que je n'ai pas. C'est juste que. Ogre barbare. Ogre babar, pardon. Bonsoir, bienvenue sur le chat. Donc ce que je disais, c'est que ça me dérange pas, vu que mes vidéos sont pas monétisées sur YouTube. Mais ce qui me dérange, c'est que pour qu'elles aient un minimum de vues, on va dire, il faut que j'enlève à chaque fois tous les passages, et je dois faire manuellement, et il faut plus d'une heure pour que le travail se fasse. Donc enfin, genre par exemple sur la dernière vidéo que j'ai mis en ligne, j'avais 7 strikes dessus. Et donc bah, ça me fait chier parce que pendant 7 heures je dois clairement venir voir. Enfin, c'est fou quoi. Les deux premières vidéos que j'ai mis quand j'ai commencé Guild Wars 2, je les ai mis, il n'y a pas eu de restriction puisque j'avais pas mis la playlist. Ouais, 7. Alors, on a quoi? On a du revenant, rôdeur, voleur, guerrier. Ok. Ici, guerrier, rôdeur. Rôdeur, bah voilà, c'est ce que je disais. Deux rôdeurs, il va falloir que je les évite. Revenant, ça c'est bon. Envoûteur, je me les fais maintenant. Ça, il n'y a pas de souci. Mais donc, les deux rôdeurs, il va falloir que je les évite. Et donc, ce que je disais, c'est que voilà, manuellement, devoir aller enlever toutes les restrictions, ça me prend un temps de dingue. Donc là, je vais décaler un peu les VOD, de toute façon. Enfin, voilà. Et donc, Ogre Barbare, c'est Babar ou c'est Barbare? Parce que techniquement, si je dis, c'est Babar. Comment tu vas? Je vais changer de playlist aussi. Ouais, enfin, je dis ça plus pour toi qui l'utilise de manière un peu plus pro, donc. Alors, que fais-tu de beau? On recommence. Que fais-tu de beau, ogre barbare, sur Guild Wars 2? PvP, farm, PvO, raid, babar, ok. Je note. Ah, c'est cool, j'ai personne avec moi. Ouais, mais je suis un support rapide, je suis pas le fer de lance. Allô? Quelqu'un? Coucou. Ok, on a déjà. Merde, j'ai pas eu le temps. C'est quoi le meilleur build revenant héros PvE? C'est une excellente question. Je joue pas revenant. Ça le fait mal hein, quand t'arrives sur une chaîne, tu poses une question. Quel mec te répond? Je sais pas. Désolé. Pour la petite info, ça fait 3 mois et demi que je joue sur Guild Wars. Non, c'est normal. Ah putain, il m'a eu en plein vol. J'ai une idée, Knorr, qui me vient d'un coup.
Ok, c'est toujours bon signe. Les quatre dernières parties que j'ai faites, c'était mal parti comme ça, et puis tout d'un coup, on s'est bien remis. Mais il faut juste que j'évite les zones. Putain, rôdeur, ça prend la moitié de la carte, quoi. Va la jouer différemment. Ouais, super, j'ai raté ma propre potion. Tout va bien. En fait, si je maintiens une plus. Tu vois? Là, comme ça, je suis beaucoup plus proche. La distance lui sert à rien. Je peux lui mettre tous les dots que je veux. Et boum. En fait, faut que j'évite le close. Je sais pas, putain, il a récupéré toute sa vie. Merde, putain, j'ai pas réussi. J'avais pas assez d'espace. Ah, putain, j'y étais presque. Et c'est quoi ton idée, Freezer, du coup? J'ai comme qui dirait un mauvais pressentiment. À partir du moment où t'as l'équipe ennemie qui est en train de te farmer pile à la sortie. Genre les mecs. Les mecs ils nous farment. Devant quoi. Ah, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Pour une meilleure interaction avec ton live ou améliorer d'une manière qui aide les viewers, c'est de faire des commandes sur des infos sur toi par rapport au jeu. Genre par exemple, point d'exclamation pouvoir, et ça te met toutes tes capacités de ton perso ou bien main, et tu mets le genre de perso que tu joues. Oui, mais il y a déjà ça. C'est juste que j'ai peut-être pas mis à jour. Normalement, sous la vidéo, il y a toutes les commandes utiles. Et la principale, c'est point d'exclamation commande. Avec S, forcément. Ah bon? Oui. En fait, si tu fais point d'exclamation commande avec S, donc commande en anglais, hein, donc COMANDS, normalement, tu reçois un lien qui te permet d'aller vers toutes les commandes. Ouais, c'est un peu compliqué, c'est vrai que je devrais faire point d'exclamation build, un truc comme ça. C'est juste que là, comme je suis en train de tester le build, je ne l'ai pas encore mis. Tu vois? C'est beau, hein, la technologie. Quand j'étais sur PoE, j'en avais fait un avec le lien qui renvoyait directement à mon personnage. Maintenant, ici, comme c'est du Guild War 2, le plus embêtant, par exemple, d'autres streamers le font, ça leur pose pas de problème parce que ils ont un build et ça renvoie directement en fait à une vidéo YouTube qu'ils ont fait, tu vois. Mais moi, j'ai pas de vidéo à proprement parler de fait. Donc, je dois mettre à chaque fois un lien bien précis par rapport. Putain, je suis en train de faire le.
Moi, je pensais à faire des persos, genre vraiment en rapport au jeu pour les fans. Ah, tu veux dire créer un perso? Ah oui, bien sûr. Putain, c'est déjà un point rouge. Oui. Oui. Ouais, donc genre là, faire un lien qui mène directement vers un truc qui est basé Guild Wars 2. Mais c'est ce que je disais en fait. Il faut normalement le lien qui envoie vers un build Guild Wars 2 pour le moment. Bah, ça m'enverrait vers un build que je fais pas pour le moment en fait. Des commandes perso, oui. Oui, je sais, je sais. J'ai plein de commandes. Il faut que je les tienne à jour. Donc, alors, dans la team, j'ai fait les meilleurs dégâts. J'ai fait un tiers des dégâts de la team. Donc, c'est vraiment pour montrer qu'il y avait un souci. Alors, j'ai réanimé une personne. C'est 100% de réanimation, mais ça, en général, il n'y a pas grand monde qui fait muse à faire des réanimations. Et j'ai fait 48. Donc, j'ai fait quasiment 50% de la capture sur la partie. Donc, voilà. Donc, un cinquième de l'équipe a fait 50% des captures. Oh, c'est les soirées statistiques en fait sur Guild Wars. Hein. C'est quand il y a un truc. Quand on perd et que je suis aussi haut dans les statistiques, je regarde pas vraiment les chiffres ou quoi, hein. Juste le DPS, si je fais mon cinquième, c'est bon. Enfin, en général, une équipe équilibrée, il y a au moins un soutien qui va faire moins de DPS. Donc, faut compter 25% du DPS et c'est que t'as bien bossé. On s'en réfère à des stats un peu basiques. Mais voilà. Là, c'était des grosses stats en ma faveur, mais ça me faisait bizarre. Et hier, on a fait la première séance de. Oh là. La première séance d'entraînement PVP en guilde. C'était cool. Donc on a un peu testé. Bon, moi j'ai pas énormément de perso puisque je suis fort axé sur l'ingénieur. Mais c'était sympa. Ça m'a bien montré que mon perso était quand même relativement équilibré, un petit peu tanky. C'était cool. Et je me demande. Attends, tant que je suis en recherche pour le moment, je vais en profiter pour aller voir un petit peu. Va peut-être juste y avoir un tout petit écho. Ça. Alors, il y a commande YouTube, Twitter. Bah tiens, tant qu'on est en pleine recherche, on va en profiter un petit peu. Je vais faire ça vu qu'on est entre nous. Alors, au niveau des commandes, mais il y a beaucoup de commandes sur StreamElement qui sont propres à StreamElement. Moi, celle qui m'intéresse, c'est modérateur commande, watch time. Bon, en fait, j'ai quasiment désactivé toutes mes commandes. Je vais aller voir pour les réactiver. Et pour avoir le lien vers le build en question ici maintenant, tout de suite, now. Pas beaucoup de monde qui fait du PV. Ah ouais, mais il y a la Trackmania aujourd'hui. Y aura pas beaucoup de monde sur Guild Wars en fait. Surtout que j'ai vu un message dans le chat in-game qui incitait les gens à aller voir la Trackmania. Donc je sais pas s'il y aura beaucoup de monde. On s'en fout. Moi je fais mon beurre. Je m'entraîne. Enfin, ce serait bien aussi que je puisse avoir un petit peu de gens. Contre qui faire du PVP, ce serait fun. Alors, ça c'est mis. Maintenant, on va aller voir là.
stream element. Est-ce que j'ai l'autre? Ça c'est l'autant, j'ai pas encore testé. Alors évidemment, c'est dans ce moment-là où il n'y a plus la musique. Commande de chat. Bon, un petit combat maintenant, ce serait cool. Ok, alors ça c'est cool. On a qui dans l'équipe? On a un voleur, un nécromant, un guerrier et un gardien. Et en face on a un nécromant, voleur, voleur, gardien. Il y a juste le rôdeur, mais le rôdeur est en... Attends, c'est... druide. Ou alors c'est... J'essaie de mémoriser un peu toutes les classes. C'est druide ou animorphe. Et ça ce serait... Animorph, ouais, je pense. Attends, j'ai 8 secondes, 8 secondes. Voilà, j'ai fait la motif du titre. C'est bon. J'ai modifié le titre de la vidéo, Freezer, si tu veux aller tester. Magnifique. T'as vu, je suis réactif. Bon, j'avais promis un gameplay nerveux et rageux. Oh, bah, c'est pas le cas pour le moment, hein. J'ai plus l'impression. Je teste comment? Bah, donc tu tapes la commande que j'ai mis sur sous le titre, enfin, dans le titre de la vidéo. À la fin, j'ai rajouté la commande en question. Merde. Ah, je viens de voir, merci pour la pub dans charte graphique. Il n'y a pas de souci, c'est bien normal. C'est tout à fait normal. T'avais encore jamais vu? Dès que je sais, je mets ta pub, hein.
Bah, c'est normal. C'est comme je l'ai remis sur Facebook tantôt. Bah, je t'ai remis en lien. C'est un peu Vous normal. avez perdu le septième. Bon, c'est pas encore ça. Ça va pas encore passer, je le sens bien. Sérieux? Mais genre, Vous avez perdu la carrière. Allez, putain. Au moins, j'en occupe deux pendant 5 secondes, quoi.
Putain, on a réussi à remonter, quoi. On a réussi à remonter facilement 100 points. Allez. Allez. Je rage pas. Je rage pas encore. Je reviens rapido. Si, pronto. Vous avez perdu les chutes d'eau. Allez, vas-y, je t'attends. Merde! Putain, il m'a mis quoi ce con? Ah, dommage. Ah, les rôdeurs. Les rôdeurs. Les rôdeurs qui sont plus forts à terre que. Il m'a fait quoi? Saignement, confusion, en feu. J'ai réussi à soigner ça quand même. Ouais, lui ça doit être un animorphe. Parce qu'il me semble que. Quand il s'est fait mettre à terre, son pet est réapparu. Vous avez perdu la carrière. Vous avez perdu le cimetière. Les chutes d'eau sont à vous. Bon, je pense pas qu'on va réussir à la faire. J'ai changé mes touches hier. J'ai encore des vieux réflexes. Putain, mais c'est possible. Le nombre d'AO qui posent. C'est pas possible. Et j'ai fait des meilleurs dégâts. 22%. Ouais, ça va. C'est que ça va. C'est cool. Bah, la partie pas passée loin, hein, c'est dommage. Mais... Allez, on se laisse pas aller. Ouais. Top 4 en feu, confusion. Ah, mortier, je l'ai un peu claqué beaucoup. Saignement, empoisonné, c'est pas énorme. Non. Alors, du coup, si je fais. Ah, j'ai perdu un follower. Ça me fait toujours un petit pincement au cœur. Mais bon, c'est pas grave. Ce serait bien de savoir qui s'en va. Juste pour se venger. Après, tu vas lui dire bonjour sur sa chaîne.
Me re, voilà. Re, Freezer. Alors, envoûteur, gardien, nécromant, voleur, et encore un rôdeur. Je tombe sur la même à chaque fois. Ouais, Six aussi. Si ça tombe, on est 10 à tourner. Je m'en mêle les pinceaux. Voilà. J'avais testé juste avant que tu n'arrives. Genre quoi, genre. Et t'es où? Attends. Putain, quel con. J'ai pas vu que j'avais un coup de main.
Putain, reste pas dans les AOE. Bon. La rage, elle est plus. Enfin, l'oscillateur de rage, il est plus en train d'arriver sur ma tronche, là. Je suis mouru. Je suis mouru. Pire, c'est que j'ai plus de café. Diantre. Mais d'un autre côté, on est les seuls à avoir un cap. Allez. Oh, d'ailleurs, quelle est la nouvelle emote? Oh, je vais pas le dire, il faut la débloquer. Hein. Oh. Ah ouais, par contre, tu vois combien ça affiche 6 sur 15? Il y a 6 subs sur 15. En fait, il faut mettre en perspective, je pense que j'ai utilisé le mauvais widget. En fait, c'est 1 sur 15. On est qu'à 1 sur 15. Il va me falloir encore 14. C'est pas pour tout de suite, mais elle est déjà prête. C'est un GG. Oui, power! Ouais, c'est ça, sauf que ça, c'est pas le mien. Oh, on avait les 3 points. C'est dommage que dans ces cas-là, vu que j'ai lancé le flacon, il me rende pas invisible. Ouais, si c'est un GG que j'ai fait cet après-midi. Mais à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je l'échange avec l'emote que j'ai actuellement? Et puis je me suis dit, ouais, mais à ce moment-là, enfin, on n'en débloquera jamais, parce que si je mets les emotes que je veux à la place de celles qui existent déjà, or celles qui existent déjà, enfin, celle qui est le plus facilement accessible, je l'aime bien telle qu'elle est. Donc je me suis dit, ce serait vraiment très très con. Donc je vais tenir bon. Vous avez pris l'hôtel. Hop, on va aller défendre le peu qu'on peut. Hein. En 1 contre 1. Merde, j'ai pas réussi. Je me suis foiré dans mes touches. Allez, régène, 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 régène. Ok, go. L'ennemi a pris l'hôtel. L'ennemi tient la porte. Putain, la partie qui se tient. Tiens, rien quoi. Trop loin. Ce qui est bien, c'est que les subs sont beaucoup plus accessibles maintenant avec l'Amazon Prime. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est sûr. Bah, limite je compterais presque plus là-dessus que sur d'autres en fait, parce que au final c'est un choix de compromis pour tout le monde. Quasiment tout le monde maintenant est affilié au programme des naissances Amazon.
Évidemment, j'ai réussi à le mettre à terre, mais comme elle a trois paillets autour, je vais quand même me faire bolos. D'office. Ça, les LM, s'ils tombent à terre et toi t'es à terre aussi, t'es sûr que tu y passes. Les LM. Les illusions. Enfin, les envoûteurs. D'office. C'est un peu comme les rôdeurs au final. T'as beau les avoir mis à terre, tu sais que tu vas perdre. Non. Il m'en fout. Trois combats, trois ratages quoi. On a 5 points d'écart. 4, 3, 2, 1. Putain, il faut pas mourir, faut pas mourir. Oh oui, oh. Non, on a perdu, on a perdu. Merde, c'est eux qui remontaient en fait. Je pensais qu'on était bleu. Non, c'est con. C'est con. Ah, j'ai fait. Ah, on n'a pas fait beaucoup de morts en fait. On a beaucoup fait de mise à terre, mais c'est dommage. Putain, c'est vraiment dommage. RIP, ouais. Il y en a une autre que j'aimerais bien faire de team mode. Ce serait une marquée run, tu vois. Genre pour tous les jeux qu'on ferait en mode horreur ou en mode un peu rapide. Mais enfin, j'ai déjà 2-3 idées, donc ça je vais me les garder pour un peu plus tard. Là j'ai fait mon emoji GG, elle est bien, elle est belle, elle est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Âge des profondeurs draconiques. J'en avais fait une run. Pour toi, pour ta chaîne? Alors, on va déjà voir le bouclier. Bouclier, à quoi ça ressemble? Bah, je suis pas trop sûr. Je suis pas trop sûr. Par contre, au niveau des stats. Ouais. Bon, en fait, les stats, je les regarde jamais parce que ça m'intéresse jamais. Parce que je jouais principalement au jeu d'horreur. Bah oui. Oui. Enfin, je regarderai ça plus tard, en fait. Parce que pour le moment, ça sert un peu à rien. Ouais. Ouais, je sais pas. Ça pourrait être sympa. Bah, tu fais plus beaucoup de jeux d'horreur pour le moment. Toi, t'es surtout sur Minecraft, R6. Tu as fini tous tes jeux d'horreur ou bien tu n'as plus. Tu n'as plus trop envie de jouer à des jeux d'horreur. Bon. C'est pas tip top la soirée. Bah, ce match aussi, au final, on s'est fait remonter. On a remonté, puis on s'est fait remonter. Chaque fois, ça passe pas. Hein. Faut que je les télécharge surtout. C'est quoi le prochain que t'aimerais bien faire? Et il faudrait que je continue un petit peu les trucs PvE sur lesquels je suis. Je vous ai montré le skin que j'ai fait. Enfin, le skin, c'est plus une mise en couleur. J'ai réussi à remettre l'héraldique de ma Légion Space Marine. Ça claque. Ça m'aide pas à gagner en PvP. Ça doit être ça, parce qu'en PvP, je suis soit en rouge, soit en bleu. J'ai pas mon héraldique. The Evil Within ou Resident Evil 7. Evil Within, ça, je serais intéressé, puisqu'on on en avait aussi parlé pour en faire sur ma chaîne.
J'ai vu qu'il était, il était pas trop cher il y a quelques temps, mais je l'ai pas pris. Parce que je suis plus trop pour dépenser des jeux. Surtout que je sais pas si mon PC arrivera à les faire tourner. Ici ça va, j'ai pas trop de difficultés pour Guild Wars 2 et le stream en même temps, donc ça va. Enfin, on reviendra pas dessus éternellement, c'est un peu chiant. Mais ouais, Evil Within, j'ai eu plein de bons échos de Max ou de Brennos. En général, c'est des avis assez constructifs. Ah ouais. Là, on a vu, j'ai eu une activation d'un Brixton qui s'est fait assez rapidement. Alors, le top, c'est saignement, empoison, enfin poison, empoisonné. C'est marrant parce que saignement, j'aurais mis poison en dessous, et pas empoisonné. Saignement, empoisonnement. Ou saigner, empoisonner. C'est logique. Mais il faut que je termine Life is Strange 2. J'ai jamais réussi à accrocher au Life is Strange. Enfin, pour pouvoir accrocher, il faut faire quelques heures. Et j'ai jamais eu la volonté de m'y mettre. Ouais, en bleu, c'est moyen. Bon, composition d'équipe. Gardien, voleur, nécromant, revenant, nécromant. Y a pas de rôdeur en face. Donc je vais pouvoir faire un peu ce que je veux. Ça, c'est bien. Tout le monde accepte. C'est qui dort? Bière. Santé. Là, on peut pas boire? Ah si. Ça me fait quoi? Ivre, vous n'auriez pas un peu abusé de la boisson? D'accord. Ça fait quoi, l'ivresse? Dans Life is Strange 2, il y a un perso qui te ressemble un peu, mais je crois que je te l'avais déjà dit. Ouais. Le match va bientôt commencer. Une dernière occasion d'affiner votre stratégie. Affinons notre stratégie. Lui, il pionce. Ça va aider. N'oubliez pas, la seule solution pour l'emporter, c'est de tuer le seigneur ennemi. Ouais, super, je vais pas lui tuer son pet, ça sert strictement à rien. Putain, ils ont ouvert une chier. Déjà. Non, non.
Ah, j'ai raté la porte. J'ai raté la porte. Bah, j'ai raté. Putain, quelle merde. D'ailleurs, dans quelques jours, ça fera un an que je te follow et que je te connais. Ouh. Un an, ça passe vite quand même. J'ai commencé à stream en 2019, je pense que le premier live c'était le 4 avril. Ils sont à la porte extérieure. Je sais pas si ça va servir à quelque chose d'avoir mis un petit peu. Eh oui. Ok, c'est bon. Là, pour finir rapidement, les troupes qui sont paquées au niveau de la porte, ça c'est génial. Pour bien faire, faudra aller un peu focus leur seigneur. Mais genre un peu vite vite. Hop. Allez-y les mecs, je vous cours. Attends, j'aime pas laisser les autres comme ça.
Ah ouais, j'ai rien fait comme stat. J'ai même pas fait moi, mes 20%. Mais je suis pas mort. Je suis pas mort. Cherchez bien. J'ai plus de café. Mais ça, c'est moins bien. Bon, une bonne partie. Il est 22h. Allez, du coup, on enchaîne. Oh, celle-là, elle était un peu à sens unique quand même. Ouais, à ce coffre-ci. J'essaye de tous les débloquer, parce que techniquement j'en ai qui sont bloqués, et j'aimerais bien pouvoir les débloquer, forcément. Tiens, celui-là il est bloqué? Il me semblait que je l'avais. Déverrouillé en terminant le parcours de récompense de la chaîne des Simprod. Et la chaîne des Simprod, parcours de récompense de la crit. La crit, je pense qu'il est... Il est là. Il faudrait que je fasse celle-là, et puis... Enfin, j'essaie de toutes les débloquer. Je me demande si ça reset une fois que la ligue est passée. Non, je pense pas. Ça a rien à voir avec la ligue, ça. On verra. Allez, sur quoi on va tomber? Bah, ici, j'étais un peu plus mobile, il y avait beaucoup de classes de cac. Par les nécromants peut-être. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas de rôdeur, donc moi je pouvais faire ce que je voulais, je volais dans tous les sens. Et ça, c'est bien. C'est quoi les nouveaux objectifs de tes points Twitch? C'est genre méga cher. C'est quoi les nouveaux objectifs méga cher? Oui, bah c'est pour récompenser l'hyper fidélité. J'offre des chèques cadeaux sur des plateformes, style. Bah, style. Ah, j'ai rien qui me vient. Mais toutes les plateformes, style Steam, Epic Games, des trucs comme ça. J'avais mis ça au point juste avant la période obscure sans live. Pour essayer de dynamiser un petit peu la fidélité. En fait, les points. C'est parce que, comme la plupart des gens qui passent sur mon live, quand ils restent, ils farment les points. Je me suis dit c'était une manière comme une autre de récompenser l'hyper longévité, tu vois. Maintenant, voilà, il faut être là à tous mes lives pour pouvoir un jour en profiter. Mais il faut savoir que si vous mettez un abonnement, vous gagnez le double, donc ça peut aller beaucoup plus vite. Et personne n'a voulu, c'est nul. Parce qu'on oublie que au final, bah, c'est vite x2. Genre tu nous offres un jeu. Ouais, c'est ça. Le premier chèque cadeau, genre c'est 5€. 5€ en chèque cadeau, bah, je veux dire sur Steam tu peux avoir 30 jeux pour 5€. Ça non, ça oui. Mais genre le dernier palier pour le plus de points, c'est genre un chèque cadeau de 50€. Voilà. Donc si tu y arrives, c'est que tu les as mérités, tu vois. Et d'ici là, il y aura eu mon anniversaire, donc techniquement je pourrais. Je pourrais vous l'offrir. Bah, c'est parce que je me rends bien compte que sur mon live, au final, il y a de la bonne humeur, mais il n'y a pas... Enfin, il y a de la bonne humeur, il y a moi, déjà, hein. Puis y a toi, puis tous les autres qui sont réguliers. Sans cas, c'est dans bien longtemps. Bah, si on... Pas vraiment, hein, pas vraiment, parce que quand on regarde, si vous voulez vraiment les stacker... Allez, genre par exemple Feval ou bien Rodgar, les 20k, vous les faites facile. Donc 20k, c'est jamais qu'un cinquième de 100k. C'est fou ce que je fais bien les maths, de base. Donc au final, ça peut aller très très vite. Et c'est parce que la plupart des gens qui passent ici sont pas sub. J'ai 8,2k. Bah ouais, bah c'est que t'es pas assez sur les lives. Bah, il faut pas oublier que Rodgar, il est pour la plupart du temps... Enfin, il était sub avant,
et il est récemment passé Twitch Prime, donc maintenant il est sub-prime, donc il gagne ses points beaucoup plus vite. Mais c'est aussi donnant-donnant, hein. Moi je fais un geste d'un côté, mais de l'autre c'est un investissement de temps. C'est un incitant financier, c'est une sorte de prime fédérale, voilà. C'est une prime fiscale. Je suis un état à part entière. Bon, allez, on se concentre un petit peu. Maintenez vos positions, emparez-vous des leurs. Allez, je viens de mettre 1800. Enfin, je dis pas mètres, parce que c'est pas des mètres. L'unité de mesure, c'est l'unité. Voilà. 1800 unités. Oui, ça va, tu peux y aller, mec. Je suis bien, je reste là, moi. Mais pourquoi j'ai claqué? Ah, les touches. Pourquoi j'ai changé ma touche? Je pense qu'ils vont pouvoir faire la suite. En fait, c'est un peu une classe de roaming que j'ai fait. Ah, il est super beau gun. Trop de la balle, mes guns. Vous avez perdu, dragon. Attends, on va encore faire le petit finot. Hop. Ah, yes, we disparouche. Non, j'avais pas assez pour pouvoir claquer un coup en plus. Dommage. C'est juste que j'avais quasiment plus de vie après tous les combats que les durs combats que j'avais menés. Enfin, maintenant, Freezer, je dis pas que l'entièreté de mes choix artistiques au niveau de tout ce qui est gestion de ma chaîne est les bons choix. Enfin voilà, j'essaye quand même. Malgré le peu de temps sur lequel je suis sur ma chaîne. Et au final, 2 jours/semaine, c'est pas trop mal. Ça évite la quantité absolue à la place de la qualité des 2 jours/semaine. Mais voilà, y a forcément des choix qui sont pas forcément ce que d'autres feraient. J'essayais de dynamiser un peu l'intérêt qu'il y avait à passer sur ma chaîne pour ceux qui voulaient niveau enfin je disais niveau artistique pour le LOL en fait c'est pas vraiment de l'art, c'est plus du commerce. Comment je lui ai claqué mes bottes dans la tronche? Non, c'est pas du tout artistique ce que je veux dire.
parce que je suis une petite chaîne et au niveau visibilité, c'est pas. Enfin, c'est pas évident non plus. Hein, donc, hein. Par hasard, quand des âmes sympathiques passent, on essaye de les garder. Viens ici. Tu me vois plus, tu me vois plus. Et là, tu me vois. Ah mais t'inquiète, c'est pareil pour moi. Bah oui, je me doute bien. On est l'archétype même des petites chaînes. Bon, bon. Alors, en même temps, je me pose souvent la question, qu'est-ce que ce serait si j'étais une grosse chaîne? Genre, par exemple, de temps en temps, je vois des. Enfin, je regarde pas les lives parce que, en général, qui fait me branche pas trop. Ben voilà. Avec des chaînes comme Zerator, quand il a un chat de 12 000 personnes sur son live, enfin, je veux dire. Ouais, y a une super bonne ambiance, mais il y a surtout beaucoup de modérateurs, quoi, parce que, enfin, tu sais rien faire tout seul. Donc, je préfère encore rester une petite chaîne dans ce style-là, avec peu de monde. Moi, mon rêve, tu vois, ce serait tous les soirs d'avoir une vingtaine de personnes sur mon live. Moi, je serais heureux, quoi. 20 personnes, t'imagines même pas la synergie que ça créerait et le truc qui en ressortirait. Après, maintenant, je peux comprendre que pour garder les gens, il faut comment dire, faut proposer quelque chose qui leur donne envie de rester. Je suis pas un pro gamer, surtout pas sur Guild Wars 2, puisque ça fait trop peu de temps que je suis là. Même si je suis un mec intelligent qui peut apprendre très très vite, enfin, il y a ce qui est aussi. Merde. Les dots. C'est les dots. Eh, mais c'est qu'ils ont pris. Bâtard. J'ai un ami maintenant, en 2 mois, il a eu 100 viewers. Maintenant, genre là, actuellement, il a 111 viewers. Mais genre, en 2 mois, le type a percé. Bah ouais, mais il y a des mecs qui ont. Enfin, c'est pas le seul exemple que j'ai. J'ai eu l'écho d'un autre streamer. Enfin, il s'est donné une certaine période, mais il a réellement appliqué des stratégies marketing et tout ça pour réussir à percer. Enfin, parfois, c'est tout con, hein, la manière dont tu écris un message, enfin, tous des trucs comme ça. Donc ouais, il y a des méthodes pour suffisamment se mettre en avant. Moi, c'est pas ce que j'ai appliqué, quoi. Bon, je veux pas en mourir, hein. Je suis content de ce que j'ai créé avec ma chaîne ici. Et on va essayer de faire encore un peu mieux. Allez, viens voir. Petit con. Bientôt le partenariat. Ah, le mec, hein, pas moi. Le partenariat, c'est pas tout de suite. C'est dommage que. Tiens, il tient. Hein. Après, voilà le truc, ce qu'il faut surtout. Percé dans des jeux famous, il stream non-stop que tu. Ouais, bah c'est ça aussi. Moi, ça, je le fais pas. Alors, en général, les gens qui percent assez vite, c'est des gens qui sont H24 sur leur stream et qui font vivre, ou bien qui deviennent tellement, tellement bons que ça devient des encyclopédies. Moi, je me définis plus comme le streamer pas casual, puisqu'au final c'est quand même régulier, mais plus le streamer chill où les gens viennent passer un bon moment, c'est plus un média social qu'autre chose, une petite communauté où les gens sont bien,
Ils font des trucs sur le côté, sur le PC, et puis ils ont ma voix en fond. Je suis en train de réfléchir pour sortir une chaîne YouTube, comme j'avais dit, enfin peut-être pas sur le stream ici, je l'avais peut-être dit sur le stream d'un autre. Je voulais faire des comptines pour les enfants que je lirais. Enfin, avec une mise en scène et tout. Là, ce serait plus du YouTube que du Twitch. Parce que faire ça en live. Enfin, 21-23, il n'y a pas énormément de parents qui vont mettre Twitch à cette heure-là pour m'écouter. Après, c'est aussi du temps, ça va venir la vague de gens, mais il faut se démarquer. Ouais, c'est ça. Voilà. Je suis pas mécontent. Ici, depuis que j'ai repris après ma trêve, au final, si c'est juste pour regarder les stats, ouais, c'est vachement mieux maintenant. Faut plaire aussi aux gens, hein. Tu en fais partie, les gens qui restent, bah y a beaucoup d'amis IRL, mais les gens qui restent, c'est avant tout des gens qui restent pour l'ambiance, pour la personnalité que je. Enfin, la personnalité que j'ai, pas que je suis, parce que ce serait un peu trop présomptueux. Mais bah voilà, donc moi c'est tout ce que je veux, hein. Pour faire une communauté non toxique et sympa, autant que les gens y restent parce qu'ils m'apprécient et parce qu'on a une bonne ambiance tous ensemble. C'est ça que je veux. Ok, quand j'ai le triangle vert autour de moi, c'est que j'ai eu un breakstone automatique. Parce que j'ai un passif en fait quand je suis mis à terre ou quoi. J'ai un passif. Oh putain! Oh putain! Hey! Oh! Wow! Putain, le truc, je savais pas qu'on. Enfin, je me suis fait bump. Je me suis fait bump par le mec. Et j'ai pas de monture volante, moi. Donc, heureusement, je suis pas mort. Ce serait cool. Bataille du crépuscule, Burk. Enfin, je dis Burk, je l'aime bien, c'est juste que comme il n'est pas jouable en classé, au final, c'est du temps d'entraînement sur les maps qui est pas autant utilisé que ce que je voudrais. Maintenant, c'est pour la maîtrise du perso. La prochaine, je ferai peut-être une classée quand même. En vrai, moi, il y a moyen que je perce un peu, que je me remette aux vidéos. Les réseaux sociaux, je les ai. Le contenu YouTube ça aide, ouais, hein, forcément. Moi, c'est ça qui me rend un peu triste, tu vois. C'est que, enfin, qui me rend un peu triste, c'est ce que j'avais défini de base. C'est que ma chaîne YouTube c'était juste un endroit où j'allais mettre mes vidéos Twitch pour les garder sur le long terme, jusqu'à ce que YouTube change les règles dans un avenir proche. On ne sait pas, touchons du bois. Ça reste comme ça. Mais donc j'utilisais YouTube principalement pour ça, mais c'est vrai qu'avec le temps, le peu de vues que je génère, c'est un peu. Enfin, ça fout le seum. Mais enfin, faut faire la part des choses aussi. Je suis pas YouTubeur, je suis même pas. Honnêtement, je peux pas dire que je suis streamer. Enfin, si. Je fais du stream régulier depuis plus d'un an et demi, on peut dire que je suis streamer. Je suis pas un streamer pro, c'est ça la différence. Mais voilà, c'est vrai que la chaîne YouTube, quand tu la vois pas décoller, c'est un peu comme t'avais acheté un. Enfin non, t'avais pas acheté. T'avais un disque dur blindé de giga, mais que tu savais pas en faire grand chose. Le montage vidéo, j'ai déjà essayé, ça me faisait kiffer, mais ça prend énormément de temps. Alors ici, là, j'ai réussi à accélérer certains petits mécanismes, donc ça me permet de faire des choses plus rapidement, surtout au niveau des modifications d'image et tout ça. Mais là, comment dire, le montage vidéo, ça me prend beaucoup de temps. Faut déjà le temps de prendre en main le programme. Une fois que tu l'as en main, je veux dire, ça devient de plus en plus facile, hein, c'est pas ça.
Après là, je pense que tu es pas mal niveau setup. Tu as un fond vert, ouais. C'est déjà super, manque plus qu'un bon micro et un peu plus de fluidité sur le stream. Mais sinon, c'est ok. Ouais, mais ça au niveau matos. Et le pire, c'est que j'ai réussi à faire tout ça. Enfin, avec madame, on était quand même parti de manière économe, quoi. Le fond vert, ça m'a coûté 2 euros. Alors que quand tu regardes les fonds verts bien compliqués, enfin là ici on a un peu augmenté puisque je suis plus sur le mur, enfin vu que mon PC a été inversé au niveau emplacement, j'ai plus le mur pour l'accrocher, donc là il a fallu investir dans une penderie. Enfin c'était moins cher, c'est une petite penderie qu'il y avait en promo, donc je la déplie à chaque fois et puis je la replie. Enfin, c'est marrant. Mais oui, il y a moyen de se débrouiller pour pas cher. Et le tissu en plus, le tissu avec le bon coloris et tout. Oh merde, putain. Non, on est en train de se faire démonter. Le tissu avec le coloris typé pour le stream, c'était 2 euros du mètre, un truc comme ça. C'est pas cher. Bon, c'est parce qu'ils ont déjà défoncé toutes nos portes. Et que nous, il nous en reste encore une à faire. C'est vraiment la merde. Cool. Oh putain. Merde. Je suis un peu trop dans la lancée et je me fais vite. Faut juste attendre jouer sur un jeu plus famous. Ouais, mais le problème. Enfin, il n'y a pas que des problèmes hein, dans la vie, il y a aussi pas mal de solutions. Et je connais les solutions. C'est que la plupart des jeux famous, quand tu regardes au niveau. Allez, on va dire 75% pour ne pas dire, parce qu'il y a des petits jeux famous qui tourneraient sur mon PC, c'est pas ça. Mais. J'ai pas envie d'être restreint dans ce que je vais dire. Pourquoi? Ouais, bon, ça c'est bien. Hop. On accélère un petit peu. Ça en plaque. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qui t'a dit que tu pouvais rester chez moi? Oui. J'essaye de le tuer puis j'achève ma phrase. Mais les jeux famous, c'est que mon PC puisse les faire tourner. Et ça, c'est une réalité. C'est que mon PC est un vieux truc qui fonctionne chelou. Merde.
je laisse terminer ça, hop. Bouh, oh mon dieu, un Rodgar sauvage apparaît. Comment vas-tu, Rodgar? Si on termine pas dans 8 minutes, on est mort. Rodgar en retard. Ah, y a pas de retard, on pas. La vie, ben oui. Comment tu vas, Rodgar? Nous avons passé la porte intérieure, c'est l'occasion de mettre un terme à cette bataille. Allez, go, go, go. Faut qu'on se bouge là. Un peu cinglé tout seul, mais... Et après, boum! Proposer du rhum, c'est mal poli... rhum, c'est mal poli de refuser. Oh non, bah, t'inquiète, hein, je te juge pas. En même temps, c'est un peu compliqué à expliquer à un pote. Je peux pas picoler avec toi, j'ai rendez-vous avec un pote sur un jeu, je vais le regarder en live. Je peux tout à fait comprendre. Sérieux, putain, ils sont en deux endroits. Je sens de l'essence des brumes dans les environs. Elle pourra nous permettre d'invoquer un héros. Poum, poum, poum. J'ai pas envie de les feed bêtement, donc... Sinon, ça va bien alors ce build. Ah bah écoute, il fonctionne assez bien. Je veux dire que j'ai pas trop de soucis. Ouais, j'ai pas trop de soucis dans le sens qu'on n'a pas gagné beaucoup de games, mais enfin, je veux dire, une équipe, c'est pas juste moi. Donc voilà, sinon, ouais, ça marche assez bien. C'est agressif et ça bouge beaucoup. Donc ça me change. Moi qui en général préfère être posé soit derrière, soit en plein milieu. Ici faut que je me déplace pas mal. Donc c'est beaucoup de... Enfin c'est une compétence principale au niveau mobilité, donc boîte fusée, ça me permet de jump sur des grosses distances. Et donc c'est assez nerveux à ce niveau-là. Plus le fait de faire mes roulades, ça me permet d'avoir des gros boosts au niveau dégâts. Tu vois, boum. Appelez-moi agent, c'est classe. Putain, j'aimerais bien, hop. Bon.
l'importance de la victoire. Ah, on est tous repartis pour faire la même. Ah ouais, d'accord, ok, c'est une team de 4. Ah bah écoute, je me joindrai s'ils veulent bien de moi. C'est quoi au niveau des stats? Ouais, moi je veux bien 2. Victoire compagnon. Ouais, en fait c'est eux qui ont gagné. On m'a expliqué qu'en fait, quand tu fais une team. Mais attends, c'est une team de. Ah ouais, on est en non classé. Quand tu fais une team, en fait, en général, le matchmaking va essayer de te mettre contre d'autres mecs qui ont fait les mêmes. Enfin, le même nombre de personnes dans ta team. Donc là, en fait, ils étaient 4 contre 4. Ça veut dire bonjour quand même. Arène non classée. Allez, c'est parti. Ah, j'ai trouvé une équipe pour farm un petit peu le. Enfin, farm non classé. C'est pas aussi bien que ma petite team de guild même. Bon, en attendant. Donc là, on fait pas de team de 5. Donc on va certainement rencontrer une autre team de 5. Enfin, ou toute addition mathématique qui ferait que c'est égal à 5. Moi, j'ai compris. Je vais aller essayer un peu de buter un autre ingénieur. Il est déjà à terre en fait. Ok, baraki. En feu, saignement, confusion, empoisonné, ouais, tranquille. Pourquoi ça veut pas? Mission. Ah, du coup, il y a quoi? Rôdeur, baliste et un gardien. Ouais. Là-bas c'est. Ah bah justement rôdeur. On va test. Je prends le suivant, merci. Rôdeur. Ah et là c'est voleur, tu vois. Quand tu veux. Et pourquoi il a pas de pet? C'est con, c'est un rôdeur. Genre c'est avec les pets qui sont justement aussi chiants. Et sinon, quoi de neuf sous le soleil, Rodgar? À part que tu bois du rhum. C'est pas un peu cliché d'être à La Réunion et de boire du rhum? Tu te la joues pirate? Je re... Ok. Un bon cliché, d'un côté il y en a tellement, ouais. Et où? Et regardez, je vous montre une nouvelle réalisation que m'a fait. Hop, j'en profite hein, vu qu'on est en recherche. Vu qu'elle est en train de. Merde, justement, ça pense. Vu qu'elle est en train de regarder. Solar, The Witcher en anglais, je suis dans le texte. Il est pas encore. Il peut mieux faire, un amour. Pas mieux faire. Mais déjà vachement bien.
La chaîne, forcément, c'est une chaîne en acier type. Nouvelle encore ce truc. Alors, qui c'est qu'on a en face? Ah, on sait pas voir si c'est une team à ce stade-ci. C'est pas grave. Sinon, ça va, on arrive dans le pire de l'hiver avec 20 degrés. Pauvre petit chou. 20 degrés. Tu dois être triste. Ouais, ça va, du coup, 20 degrés, ça te laisse... Enfin, ça te permet de te rappeler un petit peu... l'été en Belgique. Ça te permet de te dire, oh les pauvres, ils sont... Enfin non, c'est pas l'été en Belgique. Quoi, cette année-ci, on a un temps relativement clément. Il fait pas trop chaud, et le vent est toujours orienté nord-nord-est. Pour la petite info météo. Donc ça permet d'avoir du vent frais, pas trop chaud. J'adore. S'emparer de cette ville juste après avoir réglé son compte au seigneur du coin. Et le niveau d'humidité, oh 50% quand même. Ah, Kibaraki, j'aurais dû régène. Petit coup de main? Oh oui, je peux balancer mes tirs d'ici. Qu'est-ce que vous attendez? L'essence des brumes ne doit pas être loin. Ils sont à la porte extérieure. Putain, ils sont déjà... Merde, je me suis... Merde! Putain, j'étais rentré dans la texture. On a passé la porte extérieure. Ok, on est parfait égalitaire. Ça en notre faveur quand même.
Merde, je sais plus où je dois aller. Par là. Bah ouais, on glitch. Mais c'était plus à mon désavantage, hein. Parce que vu que je savais pas faire quoi que ce soit. Merde, putain, il m'a gelé le con. Ah putain, si je me prends le mur, ça sert à rien. Ah, ça sert à rien. Ça c'est con. C'est pas grave, on mène un petit peu, on les a bien emmerdés là par contre. Ah, ils étaient vraiment maintenus à la porte. Garder l'avantage. Putain, les mecs de la team sont... Je serais curieux de voir quand même les stats à la fin. Là, c'était totalement stupide, c'était vraiment se lancer. C'était vraiment se lancer pour rien. Et leur chef est quasiment mort. Ça, c'est bien. Mais bon. On a gagné. Non, putain, il passe un tout petit peu de vie, c'est con. Faut qu'on pousse à mort. Putain, mais pourquoi c'est moi qui focus? Je suis innocent. Je suis là pour apporter la paix, moi. Ah, en fait, c'est moi qui focus parce qu'il n'y a plus personne d'autre dans la team. Et on est en train de les feed pour rien. Eh, mais ils se régènent. Ah putain, ça se régène, un seigneur des trucs, là. Ah putain, c'est relou.
Ouais, donc kill the board if you can finish. Ouais, forcément, en fait. C'est stupide, on fait ça pour rien. Je pensais pas que en fait il se healait le mec. Bah maintenant je le sais. On a peut-être été un peu trop pressé. Freezer. Quatorze mille points, ça monte petit à petit. GG. GG à toi. Ouais, tu seras beau. C'est bon. Ça, on l'a eu. J'aurais eu plus, mais je suis le seul à être dans le live contrainte. Ouais. Ouais, enfin, c'est con parce que. Parce que le live contrainte, en fait, il. Enfin. Je critique pas. Mais. Ça va être chaud. Il reste pas énormément de temps, en fait, hein, pour le live contrainte. Bon, enfin, c'était ma dernière, on a gagné, c'est déjà ça. Du coup, est-ce que je fais un marble ou pas? Je fais. Et j'ai eu des coffres. Youhou. Le jeu des billes. Vous le voulez? Ah, vous l'aurez. Allez. Du coup, on passe sur ça. Moi, je vais quitter ici et on va lancer tout doucement Steam pour le jeu des boules. Yeah. Le boule game. Donc voilà. Donc, on a pas mal papoté. Ce soir, c'est cool. Dommage, Rodger, que tu sois arrivé un peu sur la fin. Mais bon, c'est pas grave. Il y aura d'autres lives, mercredi notamment. On va voir un petit peu sur quoi on va partir ici. Ça me dérangerait pas un petit Binding of Isaac. Parce que, enfin, ou à la limite, continuer sur la partie qu'on a faite. Mais. On va arrêter de recommencer à chaque fois de zéro sur les Don't Starve. Je relancerai dorénavant le même serveur et on essayera de faire au fur et à mesure un truc un peu plus fun. Mais en choisir entre Don't Starve et Binding, je sais pas. En ce moment, je serais plus Binding of Isaac. Mais bon, c'est la loi des boules, n'est-ce pas? La loi des boules. Si Steam voulait bien se lancer, ce serait cool. Ouais, je peux pas lancer Guild Wars 2 et Steam en même temps parce que sinon mon PC il va me dire un truc comme ça. Voilà.
Don't Starve est bien calé en vrai. La loi des boules. Allez, j'ai Freezer, tu viens d'arriver level 24. Quand tu dis est bien calé dans le groupe ici, enfin, je veux dire, ça va être votre choix de base. Oh, ça me dérange pas, hein, mais... Ah, ce serait un univers un peu plus construit, au final on évoluerait, on apprendrait un peu plus. Ça peut être intéressant. Je sais pas. C'est pour ça en fait que j'ai mis ça en place, je trouvais ça cool de me laisser un peu porter par les décisions de la communauté plutôt que par mes envies. Moi, mon envie, c'est de faire du Guild Wars 2 parce que j'aime bien le jeu. Genre, on est bien parti, c'est ça que je veux dire. Ouais, bah, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'on s'était bien installé avec les ajouts faits. Mais d'un autre côté, le monde sur lequel on était, c'est Rodgar qui l'héberge. Donc, il faudra à chaque fois que Rodgar soit là. Ouais, je fais le mode de Don't Starve sur les plages. Et il est bien? On connecte Twitch. Doot. Doot. J'aimerais bien voir pour arriver à garder connecté. Yeah. Ok. Je vais aller voir un petit peu dans Customize. Non. Profil settings. J'aimerais bien garder les. Génial, je trouve, et plus clair. Au pire, je lance le serveur, j'ai pas besoin d'être là. Ouais, c'est pas faux, si tu lances le serveur et qu'il tourne, a priori. Forward, backward. Ok. Right, left, ça on s'en fout. Ok, audio, vidéo, monitor, zéro, display mode. Ok, apply, close. Peu importe, tant pis. C'est qu'on n'est pas assez sur une partie pour pouvoir le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà fait? Ça, on a déjà fait, ça, on a déjà fait. On va essayer d'en trouver une autre. Ah, celle-là. Portal Purgatory. Attendez, je vais vous mettre le. La petite transition. Par contre, j'ai parfois envie d'aller dessus préparer quelques trucs. J'ai une pub FF14. T'as une pub FF14 sur mon live? C'est bien. Ça me fait des rentrées publicitaires, je suis riche. Ok, alors, viewer, race, c'est parti. Ah, je vais participer aussi du coup. Ah, il faut que j'aie mes chances. Oh, j'ignore. Allez-y, faites point d'exclamation play. Et le vainqueur de ce petit marble aura l'occasion de choisir le jeu qu'on fera mercredi. Allez-y, Rodgar. Là, il y a Freezer qui nous a rejoint. Il manque Rodgar. 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 Où es-tu, Rodgar? Je t'ai vu. Ne lance pas Don't Starve Together maintenant. Lance ta bille. Et pour tous ceux qui nous rejoindraient et éventuellement, n'hésitez pas à participer. Ah, voilà, Rodgar. Je laisse encore quoi? Une petite minute. Allez-y, n'hésitez pas. Faites pas les timides, faites point d'exclamation play et puis on va lancer ça. Plus personne. Yes, no. Perhaps. En fait, on peut taper point d'exclamation play. Puis le destin choisira, ouais, c'est ça. Ou alors, en fait, il y a un ensemble d'emotes qui est dispo sur Twitch qui apparemment déclenche aussi ça. C'est fou, hein, comment Twitch évolue. Ok, plus personne. Vous êtes timide. Attention, je lance dans 3, 2. En fait, je fais un compte à rebours avant le compte à rebours. Tout à fait logique. 2, 1, c'est parti.
Donc en Lycia, moi, pour du Guild Wars 2, et je suppose Rodia et Freezer pour du Don't Starve Together mercredi. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Hop. Alors. Pour le moment, je suis dernier, tant mieux. Alors, on est sur. Ok. Nope, Isaac, je te l'ai déjà dit. Ah, toi, tu serais plutôt partant pour du Binding of Isaac. Ok, ça me va. Alors, il y en a une qui est coincée là. Mais forcément, on n'a pas les. Ah, il y a des portails sur celle-ci. Ok. Ah, ça va aller vite. Ok, les portails viennent d'être traversés. Où est-ce que vous êtes? Ça fait boing boing. T'as les mecs, je vous vois plus. Ah putain, vous êtes déjà là. Alors. Ah, c'est raté. Ah, c'est la mienne qui vient d'être détruite. Attention. Ouais, si vous passez sur le portail là, en fait, vous êtes revenu en arrière. Et en fait, il faut arriver à jump. Attends. Ah. Ah bah, je vois que Rodgar vient de se faire éjecter aussi. Non? Toujours en lice? Ouais, toujours en lice. Attention. Oh putain, ça va jamais terminer les mecs. Non, toujours pas. En fait, il faut tomber dans le bon portail qui vous fait jump. Ça s'accélère, boing, boing, boing. Non, toujours pas. Toujours pas. C'est génial. Quel suspense. Quel suspense. Normalement, on arrive à la fin, techniquement. C'est prévu pour pas faire plus de 2 minutes. Ah ouais, en fait, si vous passez sur les trucs rouges, ça jump aussi. C'est des petits poinçons qui font boing boing. Ça a pas l'air de bien fonctionner leur truc. C'est qui a codé ça? Allez! Allez! C'est palpitant, hein. En plus, quand c'est commenté par moi. C'est quand vous voulez, les mecs. Boing, boing. J'imagine avec 500 billes, mais avec 500 billes ça irait beaucoup plus vite. Ça irait beaucoup plus vite. Alors, toujours pas. Parce que, enfin, ça génère tellement de collisions qu'au final, il n'y aura même plus de questions à se poser. Ce serait plutôt, est-ce que. Enfin, ouais. Ah, un jump. Ah, on a perdu Freezer. Non, ouais, non, c'est Rodgar qu'on a perdu. Donc là, il n'y a plus que Freezer en lice. Alors. La question c'est est-ce qu'il va rentrer dedans ou est-ce qu'il va pas rentrer dedans? C'est facile, hein. Moi, avec moi, la logique, elle en prend un coup. Bon, est-ce qu'il va rentrer dans le portail? Encore. Ouais, non, mais c'est le jeu, hein. Alors là, t'es revenu directement dessus. Ça roule, ça roule, ça roule. En fait, avec 500 billes, la seule grosse différence, c'est que ce serait vachement plus fun. Parce qu'il y aura plein de billes qui se conneraient partout. Non, sérieux. Et je peux pas. Je peux pas, en toute bonne conscience, clore le truc sans que ça se finisse. Ah, no winner. Ah, si, apparemment, il y a un timer limite. No winner. Donc là, c'est pas moi, c'est le jeu. C'est pas moi, c'est le jeu. Donc voilà. Donc. Vu que personne n'a gagné, mais que je suis quand même le chef, tu t'es bloqué pour l'éternité. Non, 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 t'inquiète, ça a clôturé. La semaine prochaine, donc, enfin, non, la semaine prochaine, mercredi, on restera sur du Guild Wars 2, à ceci près que, je sais pas si Maxou est là, on va faire ce qu'on a dit, on va partir sur un build spécial Maxou. Donc, Maxou, dans tout ce qui est RPG, MMORPG, ce qu'il aime faire, c'est du paladin. Il adore être un paladin, tant par la grandiloquence que par son abnégation à vouloir soigner ses mates. Donc la semaine prochaine, on montera un petit perso paladin. Je sais pas du tout comment ça se joue. Il faut, enfin, un paladin, c'est un gardien. Je ferai peut-être des petits tests un peu avant le live. Parce que déjà, il faut que je libère l'espace pour créer un perso. Donc on fera ça mercredi. On va se fendre la poire mercredi sur ça. Hop, ça je quitte. Donc voilà, donc merci Rodgar d'être arrivé un peu en retard, mais c'est pas grave, hein.
pas comme si c'était un taf. Et merci Freezer d'avoir passé la soirée avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Enfin, pas à vous abonner, mais n'hésitez pas à follow la chaîne. Je vais pas vous demander d'entrée de jeu de vous abonner, ce serait un peu grossier. Si vous voulez voir le replay, il est disponible donc sur la chaîne Twitch et bientôt sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, on a une bonne petite communauté bien fandard. Et la plupart des événements qui seront prévus, ou bien les sondages ou quoi, se font sur Discord. Donc voilà, passez une bonne nuit. Bonne fin de soirée, ouais, il est 23h. Une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Et on se revoit bientôt. À mercredi. Bisous, bisous. Et donc du coup, là, on est sur l'écran de fin, il y a toujours ma douce et chaleureuse voix. Ce qui est dommage, tu vois, c'est que j'ai pas la musique. Et il va me falloir un écran de fin, Freezer, quand j'aurai les moyens. On va faire ça comme ça. Allez, du coup, passez une bonne fin de soirée, une bonne nuit, et on se revoit mercredi. Salut, salut.